Je m'appelle Cindy, je suis brigadière à la brigade de gendarmerie de Méry-sur-Oise et j'ai 26 ans. J'ai un baccalauréat professionnel et je suis actuellement en train de passer mon BTS pour avoir un niveau Bac plus 2 en plus. J'avais envie d'un métier où je pouvais me dépasser, qui soit carré, parce que j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine du civil et j'arrivais pas à trouver ma place et à m'épanouir. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas tester la gendarmerie. Et du coup, effectivement, ça m'a permis de me dépasser. Je me suis découvert des capacités que je pense que j'aurais pas découvert si j'étais restée dans le civil. Donc je suis arrivée, j'ai tenté et du coup, je suis encore là. Du coup, les journées sont composées en deux parties. En général, j'ai soit le bureau le matin ou l'après-midi. Et après, ça va être soit patrouille le matin, soit patrouille l'après-midi. Une fois par semaine, je fais une nuit. Et il est possible que je fasse de l'accueil pour aider les sous-offs ou des transferts au tribunal pour compléter les équipes. Les premiers pas en gendarmerie après l'école, ça a été plutôt sympa. Je suis arrivée à Méry, j'avais une équipe très accueillante. Je me suis sentie bien accueillie. Le seul problème que j'ai eu, on va dire, c'est que j'étais pas très à l'aise d'arriver dans un milieu masculin. Donc du coup, j'étais plutôt réservée et j'ai dû faire mes preuves sur ça. Oui. Après, on va adapter les interventions en fonction de si on est une femme ou si on a un homme. Parce qu'il faut dire ce qui est, on n'a pas forcément les mêmes capacités qu'un homme. Et si on doit intervenir sur un monsieur virulent, robuste, on ne mettra pas forcément la femme en premier. En fait, on a chacun nos compétences. Moi, par exemple, je vais être plus à l'aise dans le contact avec les victimes, notamment les femmes, pour tout ce qui est violence intrafamiliale ou sur les enfants. Donc du coup, ça, c'est plus ma compétence. Mes coéquipiers, ils le savent et du coup, je suis plus utile dans ce domaine-là. Je pense comme tous les gendarmes, c'est mon premier cadavre. Après, j'ai eu de la chance, j'étais tombée sur une bonne équipe. Donc du coup, même après le fait qu'on est parti de l'inter, on a patrouillé pour évacuer cet inter un peu morbide. Et tous les jours, on nous demandait si ça allait, on est plutôt bien suivi. Donc en fait, même si c'est marquant, on ressort pas traumatisé. En tant que GAV, du coup, on peut passer trois grades. Le grade de brigadier, brigadier-chef et maréchal des logis. Il est possible qu'on passe le concours de gendarme sous-officier en interne ou en externe. Donc on a trois chances en interne et trois chances en externe. Surtout dans notre brigade. Actuellement, moi, je ne suis pas concernée parce que je m'inscris que l'année prochaine, mais la GAV qui est ici a réussi ses écrits. Elle passe le sport au mois de février et du coup, notre lieutenant lui dégage environ 3 heures de sport par semaine pour qu'elle puisse être au point au mois de février. Ouais, je dirais que s'il hésite, qu'il faut qu'il ait confiance, qu'il fonce et qu'au pire des cas, il rate rien. Peut-être s'entraîner un peu sportivement parce que c'est peut-être ce qu'il y a le plus dur finalement à l'école.